Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue au numéro 5 de notre micro-émission Africa Underground, émission consacrée aux figures du basketball africain et aux performances de divers joueurs sur le continent. Aujourd'hui nous recevons Melvin Da Silva, international angolais, qui sort tout droit des qualifications pour l'AfroBasket 2021 à Kigali et qui a accepté de se livrer aux questions de notre émission. Veuillez le suivre après le break. Je joue actuellement pour le club de Petro de Luanda en Angola et je suis très content de répondre aux questions de l'émission Africa Underground. C'était tout simplement un honneur pour moi d'être sélectionné dans l'une des plus grandes nations du basket africain et c'était une grande expérience qui j'espère pourra se reproduire dans le futur. Sélectionné, oui, je serai prêt à relever le défi lors des prochaines qualifications en février. Le niveau pendant cette première semaine des qualifications était très intéressant, avec de très bons joueurs, très physiques et très expérimentés, notamment comme sont les sélections du Sénégal, de la Tunisie, de l'Égypte, du Nigeria. Actuellement, le top 3 du basket africain, pour moi, ce serait Nigeria, Sénégal, Tunisie. Pour moi, le meilleur joueur africain de tous les temps, ça serait Hakim Olajuwon, qui était l'un des meilleurs postes 5 de la NBA, originaire du Nigeria et qui a remporté deux fois le championnat NBA avec les Houston Rockets. Le meilleur joueur au monde actuellement, pour moi, ce serait LeBron James, mais de tous les temps, ça restera Michael Jordan. Pour terminer cette vidéo, je fais un petit coucou aux fans et aux followers qui suivent cette page, et principalement à ma famille et aux personnes qui me soutiennent. Et puis à bientôt. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous à la prochaine émission qui sera consacrée à l'international camerounais William Adelamoto qui lui aussi répondra à nos questions. N'oubliez pas de vous abonner sur notre page YouTube Mbatomic et rendez-vous à la prochaine émission.